always very creative and he dares to go out of the box. I am very interested in the whole look, not just the fashion, but also the styling. And he always have his model styled in a very beautiful makeup and hair, as I'm sure you've seen in his previous show. It's gorgeous and it's like poetry. For me, it's like poetry. I wear one of their dress a year ago in Camping Festival and I felt just like an angel. Le style de Franck Sorbier, c'est un style qu'on reconnaît tout de suite. En fait, depuis, il est resté fidèle à ses débuts et il y a vraiment une patte Franck Sorbier dans la recherche des matières, dans les formes. Il y a un côté très, très artistique parce que c'est un vrai artiste et il travaille toujours d'ailleurs avec des artistes. Et c'est ça qu'on retrouve chez lui toujours. L'inspiration, c'est les contes populaires slaves et l'idée en même temps, c'est de faire cette confrontation entre une femme très noire, finalement très haute couture, dans tous les codes de la haute couture, mais quand même avec cette empreinte aussi populaire, c'est-à-dire qu'on s'inspire de tout ce côté un peu ethnique russe. Pour les femmes, il y a beaucoup de mélanges. Il y avait beaucoup de dentelles, soit de la guipure, soit de la dentelle, soit de la guipure tissée de ruban. Et pour l'enfant, c'est plus léger, c'est-à-dire c'est de l'organza, c'est du taffetas. We see more colorful prints, not just on the children, also the performance of the dancer. That's also one of their special area. They always have something surprising. This season, it surprised me. It's a smaller show, I think, but more, or I put it the other way, it's more exclusive.